Je suis Mandia International, ambassadeur des enfants de Mini, le très respecté et éclairé Guerebou Fama, l'imperturbable et patriote Guerebou Fama, l'ami intime du nouveau président de la transition et le futur président de la République du Mali, alias Guerebou Fama de Dubaï. C'est moi. Déjà, j'ai été très très impressionné par l'initiative d'abord, le fait de récompenser les acteurs de la communication, spécialement la prise de parole, tout ce qui est parole et tout ça, et le festival des grands orateurs. Sincèrement, c'était une première fois pour moi de voir un tel festival qui réunit tous les acteurs de la parole. Et les rassembler et les distinguer, les encourager. J'étais très, très touché. Également, j'ai été touché par la qualité de l'organisation, de voir que vous avez mis tous ces moyens-là en place. Et c'était très, très bien organisé et on a été très, très honorés d'avoir ce prix-là également. La particularité de cet événement, j'ai remarqué que dans chaque domaine, vous avez pris un certain nombre de personnes et vous avez encouragé, vous les avez distingués des prix. On voit dans les autres récompenses, on prend au moins, les meilleurs par exemple. On dit on va réunir les humoristes, on va prendre une seule personne parmi eux. Et moi, ce que j'ai trouvé intéressant chez vous, c'est que vous avez choisi un certain nombre dans chaque catégorie. Et là, ça m'a beaucoup touché. Parce que ces récompenses-là, ce n'est pas que les trophées. Il y a cet aspect de motivation, d'encouragement, de reconnaissance de ses œuvres, de son travail. Et quand c'est beaucoup de personnes qui sont choisies, vraiment, ça fait chaud à cœur. Ça prouve que vraiment, vous avez un regard différent par rapport aux autres. Moi, je ne dirais pas un conseil parce que c'était une très belle organisation. Je dirais juste ça va être une contribution. Gardez votre rigueur. Gardez votre rigueur, votre qualité surtout. Et surtout cette équipe dynamique, cette équipe jeune que vous avez là, continuez ensemble. Continuer ensemble, soyez toujours soudés, soyez toujours forts. Et c'est ça qui va faire la fierté, la beauté de la culture malienne, la beauté de notre pays. Moi, je vous félicite et je vous encourage à continuer également. Car, waouh, c'est vraiment, pour moi, c'est une innovation. C'est une innovation pour moi. C'est de souhaiter une bonne fin d'année à tous les Maliens. Je souhaite la paix pour nous, car vu l'état du pays, on prie que Alaka Djamana Soumaya, que Dieu protège notre pays, que Dieu protège tous les Maliens, et on prie Dieu que cette crise puisse vraiment, cette année puisse être la dernière année de la crise, quoi. Sincèrement, que la nouvelle année commence avec une année de l'espoir pour les Maliens, de la fin de cette guerre, de la fin de cette crise que nous avons connue depuis 2012. Je souhaite une année de prospérité, de longévité. Je souhaite à mes frères artistes une longue carrière. Je souhaite à mes frères artistes beaucoup d'inspiration, beaucoup d'encouragement, beaucoup de motivation. Et car l'art, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc, on prie bon Dieu qu'à la carte, on va.